Bonjour à tous, on se retrouve donc pour ce nouvel épisode de This is the Police. Alors, les titres des journaux ce matin, en ce matin du 21 juillet sur la belle ville de Fribourg, l'enquête sur Francis Kendrick pourrait reprendre. Des gangs racistes se déchaînent en ville et une deuxième tour bientôt construite à Fribourg. Allez, on va au boulot. Direct. On est dimanche, hein. The people of Fribourg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Fribourg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Myself, I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. It's something to think about. Ah, on a un nouvel adjoint, donc Martin Stett. Ok. Alors, on est le dimanche, hein, d'après le truc, et là, elle nous parle de l'école. Bon. Oui, mais vous revenez demain. Hein. 20 dalles. Ouais, mais revenez demain. J'ai d'horribles brûlures d'estomac ce matin. Ça serait peut-être mieux si je rentrais chez moi, m'allonger un peu. Non. Il suffit que tu prennes du gaviscon et ça ira mieux. Alors, est-ce qu'on peut. On peut toujours pas hein, promouvoir. Ok, donc là, c'est le service A. On a deux enquêteurs. Et une qui est chez elle. Et on a 3, 3, 6 et un 7. 7 policiers, voilà. Alors, on veut pas de musique. Alors, bon, il me propose, hein, j'ai pas trop le choix. Dans le catalogue Ulrich Litch, vous pouvez toujours trouver un assortiment généreux au meilleur prix, pas ma blabla. Continuez, donc, c'est peut-être des trucs. Allez. 250 $, bah voyons. Non. Allez, on va prendre celui-là à 100. Allez, oui. Ok, retour. Ouais. Ok, on fait retour. On accède à la carte. On n'écoute pas de musique. S'il faut, j'en mettrai en fond.
Alors, les services de la mafia. La mafia peut vous proposer des services très intéressants. Vous êtes pratiquement un membre de la famille maintenant, donc ça ne vous coûtera presque rien. Alors, les affaires. Donc, les sondes. Allons voir. Alors, piège du crime. La mafia falsifiera un rapport de crime en cours spécial et tous les agents qui arriveront sur les lieux seront tués jusqu'à 3 policiers. Ouais. Pièce d'enquête. La mafia falsifiera un rapport spécial et le détective qui arrivera sur les lieux seront tués. Hein. L'affaire intimidera les membres du comité avant l'audience au bureau du procureur. Bah, 35 000, hein. Pas mal, mais là, on peut pas. Jusqu'à 3 policiers tués, quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein, pour 1000. Et là, un seul. C'est atroce comme truc, quand même, j'avoue. Voulez-vous vraiment acheter? Bah, de toute façon, maintenant qu'on est dedans. Allez, oui. Demain à 10h. Ok. Bon, bah, ça nous promet encore des trucs sympathiques, tout ça. Alors, le poste de police. Je vais fermer la mairie. Vous devez attendre 5 jours avant d'envoyer des demandes. Jour restant 3. Poste de police. Alors, on y retourne. Marché du travail, non, on peut plus travailler en retard, donc ça déjà c'est mort. Éliminer Liu Gang. Alors là il nous reste combien de jours? Alors Bao Liang a accordé plusieurs interviews au cours desquelles il a parlé des atrocités, blabla, au cours desquelles il, hein, et elle a beaucoup embelli. Bon, ah, ça devait être elle. Je ferme. Votre nouvel assistant n'est pas Kendrick, mais il n'est pas aussi inutile qu'il y paraît. Il peut s'occuper de certaines de vos tâches lorsque vous êtes pressé, mais c'est vous qui payez le déjeuner, ainsi que tous les autres frais. Continuez. Sympa à savoir. Donc on va aller voir du côté de l'adjoint. Alors, école de police, envoyez votre équipe s'entraîner. Ah ouais, en plus ça coûte des sous, quoi. Envoyez des employés à une fête informelle. Engager un indique et un employé pour qu'il rassemble des informations importantes pour vous. Ça me semble pas mal. Oui. Alors, sélectionnez l'employé que vous souhaitez engager en tant qu'indique. L'employé en tant qu'indique. Qui c'est qu'on va mettre comme indique? Allez, stuff. Et j'accepte. Alors, envoyez votre équipe s'entraîner. Et il me reste plus que 3000. Non, fermé. Et il faut, on gagne pas de sous, quoi. 3000. Je suis loin des 500 000 que je dois gagner d'ici 173 jours. Alors, vol dans un magasin de chaussures. Un employé de magasin de chaussures du magasin donc Sport Bigfoot signale que deux adolescents ont essayé des baskets les plus chères qui ont quitté le magasin, les chaussures pieds, en courant et sans payer. Bon, allez, on va mettre... lui, on va le virer, lui. On va mettre Fraser avec Ellis. Allez. C'est parti. Plainte formelle, le syndicat. Veuillez noter que la plainte des employés à votre compte a été transmise au procureur pour la poursuite de l'enquête. Fermé. Attends, dans les affaires, justement. Il n'y avait pas un truc. Ouais, c'est 35 000. J'ai pas de sous. Fermé. Les enquêtes. On en est où? Dans les gangs, ici. Ok. Lui. Commencer l'enquête. Alors, tac tac tac, c'est à lui le collier. Ça, c'est le restaurant.
Tuc, tuc, tuc. Alors ça, attends déjà, je regarde ça. Donc là, il arrive. Tôt. Il rentre dedans. On va essayer ça. Hein. Fermé. Je sais pas si ça aidera beaucoup. Mais bon. L'adjoint. Envoyez votre équipe s'entraîner. Oui. On va envoyer. Sélectionnez l'employé que vous souhaitez envoyer en formation. Allez, Grant. Et on ferme. Allez, il me reste plus de sous. Allez, tentative de meurtre en banlieue. Un homme est rentré du travail plus tôt que prévu et a trouvé sa jeune épouse sous la couette avec son amant. La femme de ménage a appelé la police lorsque le mari a décroché du mur une carabine de chasse. Bon. Lui, on va l'envoyer avec Huff, Grant et Birch. Voilà, c'est parti mon kiki. Les adolescents fument près du magasin en train d'admirer leurs nouvelles chaussures. Alors, tu vas devoir rendre ces chaussures. Essayer d'attraper un de ces gars. Et je peux te piquer une cigarette? Allez, on va faire comme ça. Ah, il s'est enfui. Dommage. Dommage, je pensais que essayer de l'intimider, qu'enfin, d'être un peu plus proche. Bon, c'est pas grave. On les trouvera. On les aura. Tôt ou tard. Ah. Aujourd'hui à Freeburg, nous accueillons la première du Retour vers le futur. Les distributeurs du film ont demandé à la ville de placer un policier à l'entrée et de s'assurer que les visiteurs n'entrent pas avec leur caméra. Donc on va y mettre Griffiths et on envoie. Ok, il ne nous reste personne. On a juste un policier. La journée va être longue. Heureusement, il y en a qui vont rentrer comme Fraser et Ellis. Un rapport sur la tentative de meurtre. Le délinquant est arrêté. Voilà, tout le monde gagne des points, même Birch que j'ai failli virer. Bon. Ce qu'il faut faire, hein, faut envoyer les plus faibles. Comme me l'a dit dans un commentaire notre ami Jean Bloc. Alors, commentaire de Freeburg, il y a une agression. Un jeune père privé de ses droits parentaux a essayé de récupérer sa fille à la sortie de l'école. Lorsque l'accès lui a été refusé, il a été attaqué. Il a attaqué une institutrice, l'a projeté au sol et a commencé à lui donner des coups de pied. Oh là 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 là. Malheureux. Donc on va mettre Shaw et Ellis. On va garder Fraser avec nous. Je pense qu'à deux, il devrait pouvoir s'en sortir. Après tout, c'est qu'un père qui est... Voilà. Alors, centre-ville, Ulrich Spreber. Alors, mission de la mafia. Alors on va voir ça déjà. Jack, il se passe quelque chose aujourd'hui à l'usine d'ingénierie à 22h09. Il ne faudrait pas que des policiers s'invitent. Je crois que 4000 devraient suffire pour une telle demande. Ok, pas de policiers à 22h au truc. En attendant, on va voir ça. Monsieur Boyd, j'ai un problème très délicat et notre ami commun Charles Deal m'a dit que vous pourriez m'aider. Comme vous le savez peut-être déjà, je possède le plus grand magasin de musique de Freeburg. Récemment, mon ex-femme a gagné la moitié de ma collection de disques dans un procès. Il y a beaucoup de disques rares. Mon ex a très peur de la police et essaie toujours d'agir en tant que citoyenne respectueuse de la loi. Si quelques-uns de vos gars allaient chez elle en uniforme en lui disant que ces disques sont des preuves dans une grosse enquête, elle ferait un grand sourire et nous leur donnerait ce qu'ils veulent sans même vérifier le mandat. Bon, on va envoyer Stavol avec... avec Grant et puis Birch, allez. Bon, c'est pas franchement le truc le plus intéressant à faire, mais bon, allez, trouble à l'ordre public dans la galerie d'art moderne. Ah bah ça arrête pas, hein, je veux vous dire, la police, elle a du taf. Hein. Alors un vigile signale qu'une personne qui s'était introduite dans la salle d'exposition a dessiné des pénis sur les œuvres, avant de se cacher dans un placard. Bon, et ben on va envoyer les deux qui nous restent. Hop. Huff et Fraser, on a un rapport sur l'agression. Le délinquant a été arrêté. Voilà. Mais les agents sont indemnes, mais il y a un civil de tuer. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on s'en est sorti quand même. Mais il y a quand même un mort. Hein. Donc l'autre, il va avoir une petite peine de prison. Il est 18h déjà.
Ulrich Bieber. Chef, on a aidé Ulrich Bieber et pour nous remercier, il nous a donné un album de maître, Gennaro Crespo. Bon, Grant préfère le glam, donc elle était triste. Elle était au bar à la fin de la journée. Ah bah, si maintenant elle picole. Merci pour votre aide. Ok, on prend 3000, c'est toujours ça de prix. On a besoin de pognon pour notre retraite. Alors, trouble à l'ordre public, toutes les lumières sont allumées quand la police arrive. Le gardien du musée explique qu'il n'a le travail que depuis quelques semaines et il a peur d'être envoyé à cause de sa bêtise. La police le calme et il indique le WC dans lequel l'artiste est enfermé. Sortez les mains en l'air. Un jeune homme, terrifié et en larmes, armé d'un couteau, affirme qu'il s'est engagé dans une sorte de performance artistique et que personne ne le comprend. Il refuse de se rendre et menace de se poignarder. On va essayer la méthode douce, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas d'ennui. On veut juste discuter. Délinquant arrêté. Bravo, Huff et Fraser. Donc ça, c'est une bonne chose. Bien. Alors, est-ce que les enquêtes, ça avance un peu, là? On a de nouvelles choses, là. Détails sur le recel. Là, on n'a rien d'autre. Ok, le gang, on en est où? Elle, on peut toujours pas enquêter. Lui, on a commencé l'enquête, mais il n'y a rien qui se passe. Fermé. Allez, 20h déjà. Ouh, que le temps passe vite. Voilà, tous nos policiers sont rentrés. On va attendre tranquillement la fin de la journée, je pense. À moins qu'il se passe d'autres événements, mais ça on ne le sait pas. Alors, on a une enquête à résoudre, on n'a pas fini. Ah, usine d'ingénierie. Donc là, on avait dit, on n'intervient pas. C'est bien ce que je pense. Voilà, si on veut gagner les 4000, là on va pas intervenir. Voilà, on n'a rien vu, on n'a pas eu le temps. On était tellement occupé ailleurs. Ça c'est le ranch des stands. Ah, au fur et à mesure on a des petits trucs, le poste de police, la mairie. Alors, test psychologique à la mairie. Jack, vous avez dû voir les nouvelles dans le journal sur Thomas Blaine, le flic à la retraite, qui est devenu schizophrène et a battu une femme enceinte. Pour que cette tragédie ne se répète pas, nous avons décidé de mener des tests psychologiques sur tous les policiers de plus de 50 ans. Vous y compris, Jack. Demain matin, le docteur Eleonora Waterbury vous attend dans son bureau. Ne soyez pas en retard. Bon, bah déjà, on va avoir une visite de psy. Ça va être sympathique. Alors, ok. Voilà, on prend 4000. On remonte un petit peu. Et on, maintenant, voilà. Oh, bah c'est ballot. Bref, ça s'est fait. On est tranquille. Bien, bah c'est la fin de la journée. Donc bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi, parce que franchement, je m'éclate dans ce jeu. Et puis, bah, en attendant de vous retrouver la prochaine fois pour la suite de nos aventures, eh bien, je vous souhaite de bien vous porter et vous dis à très bientôt. Bye bye !